بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا اليوم هو 24 من شهر ربيع الأول عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدرس هو 33 في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. Nous sommes le 25 janvier 2014 et ceci est le 33e cours du livre Les qualités sublimes du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم de l'auteur et du grand savant de la Sunna, l'imam al-Tirmidhi رحمه الله تعالى. Nous sommes entrés dans le chapitre concernant le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Babu ma ja'a fi khuluqi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce chapitre, nous n'avons pas encore lu de hadith. Car pour ceux qui étaient présents la semaine dernière, on a cité une introduction qui avait pour but de montrer l'importance du comportement dans l'islam et dans laquelle on a cité les quatre hadiths qui sont les hadiths de base dans le domaine du comportement. C'est-à-dire que tous les bons caractères et les bons comportements reviennent à quatre hadiths qui en sont les bases. Ces quatre hadiths ont été cités par l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah ta'ala lorsqu'il dit أزمة الآداب وجماعها تعود أو ترجع إلى أربعة أحاديث. C'est-à-dire que les fondements vers lesquels reviennent les comportements tournent autour de quatre hadiths. Le premier, et d'ailleurs ces quatre hadiths, vous pourrez les retrouver dans le recueil de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, connu sous le nom de Al-Arba'in al-Nawawiyya. En d'autres termes, les 40 hadiths. Premièrement, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Ce qui veut dire celui qui croit en Allah et au jour dernier qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Deuxièmement, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Ce qui veut dire, parmi ce qui montre le bon islam ou la bonne application de l'islam de l'individu, c'est de le voir délaisser ce qui ne lui regarde pas. Troisièmement, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet homme qui lui a demandé un conseil, quand il lui dit « La tardab, ne t'énerve pas, ne te mets pas en colère ». Il répéta cela trois fois de suite sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est-ce qui me la rappelle? Hein? Ceux qui étaient là, la quatrième parole, le quatrième hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Aucun d'entre vous n'aura la foi complète jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et de ces quatre hadiths, le savant Al-Sheikh Abdul Razzaq Hafidhahullah de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam a tiré que le bon comportement revient à quatre bases qui sont salamatu al-lisan, c'est-à-dire le fait d'avoir une langue qui ne prononce que du bien, une langue pure, une langue dénuée de toute mauvaise parole. Le salut de la langue. Deuxièmement, safa'ul qalb, la pureté du cœur. Troisièmement, tark al-fudul, le délaissement de la curiosité. Et quatrièmement, imsakun nafsi 'inda al-ghadab, le fait de se contenir lors de la colère. D'où ces quatre points sont tirés. Premièrement, la pureté
de la langue à travers la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui a foi en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. D'où vient la pureté du cœur de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et cela ne peut se faire que si le cœur est pur et si le cœur est lavé de toute jalousie, de toute rancune, de toute haine à l'égard des frères ou des sœurs musulmans ou musulmanes. Ensuite, le fait de délaisser la curiosité parmi ce qui montre la bonne application de l'islam de l'individu, c'est de le voir délaisser ce qui ne lui regarde pas. Et combien la curiosité a amené de mal, combien la curiosité a été la cause de grands maux, de discorde, de mésentente, de désunion, de division. Et si on revient à la base de tous ces grands problèmes et de tous ces grands maux, on verra que c'est à la base une personne qui a été curieuse. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit ce qui va dans la curiosité, comme l'espionnage par exemple. Dans sourate Al-Hujurat, « وَلَا تَجَسَّسُوا » c'est-à-dire, « et ne vous espionnez pas les uns les autres ». Et quatrièmement, le fait de se contenir pendant la colère. Car la colère, quand elle a lieu dans autre chose que les ordres d'Allah ou les limites d'Allah qui sont transgressées, elle n'amènera que du mal, dans la majorité ou dans la majeure partie des cas. Et c'est pourquoi quand cet homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander un conseil, le prophète alayhi salatu wassalam s'est contenté de lui dire ne te mets pas en colère. Parole qu'il répéta 3 fois de suite, alayhi salatu wassalam. Et on nous a même enseigné des comportements à avoir pendant la colère. Le fait d'accomplir les ablutions, le fait de s'asseoir si on est debout, de se coucher si on est assis, et d'autres choses encore. Ensuite, il y a une parole de l'imam Al-Baghdadi, rahimahullahu ta'ala, qui est un grand auteur. Il a écrit un livre qu'il a intitulé Al-Jami' li adab al-rawi wa al-sami'. C'est-à-dire que c'est un livre qui va rassembler les bases du comportement que doivent avoir ceux qui rapportent les hadiths comme ceux qui les entendent. Donc ici on fait référence à ceux qui recherchent la science, comme vous. Ceux qui viennent dans les assises de science pour écouter les versets, pour les comprendre, ainsi que les hadiths, pour les comprendre également, ces gens-là doivent savoir qu'ils sont les gens les plus à même d'adopter les meilleurs comportements. Al-Baghdadi rahimahullah a dit: والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن الأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخبار من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين ومآثر الماضين فيأخذ بأجملها وأحسنها ويصدف عن أرذلها وأدوبها. L'imam al-Baghdadi rahimahullah a dit: il est obligatoire pour ceux qui recherchent les hadiths, c'est-à-dire ceux qui recherchent la science, ceux qui recherchent à apprendre et comprendre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils soient les gens au caractère les plus parfaits et qu'ils soient les gens parmi les créatures d'Allah les plus modestes et les plus humbles, qu'ils soient les gens les plus purs dans leur façon de pratiquer leur religion, les gens qui s'énervent le moins, les gens qui se contiennent le plus. Pourquoi ?
car à chaque fois, ils entendent des informations concernant les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses caractères, mais aussi ceux des pieux prédécesseurs. Ils entendent également les informations de ceux qui vécurent avec lui dans sa maison, alayhi salatu wa salam, ses épouses, ses enfants, ses compagnons, et aussi les comportements qu'avaient les rapporteurs de hadith parmi ceux qui sont ou qui nous ont précédés. Ils doivent donc prendre les meilleurs de ces comportements et de s'éloigner des pires des comportements, les comportements les moins bien. Pourquoi? Parce que quand on écoute tout le temps les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si cette science n'est pas suivie d'actes, elle sera alors une source de regret pour nous le jour du jugement dernier. Si elle n'est pas suivie des actions qui sont demandées par Allah subhanahu wa ta'ala, alors il n'y aura aucune utilité à détenir cette science. Et c'est voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah la science, mais ne se contentait pas de demander la science. Il demandait aussi à Allah de le préserver d'une science qui ne sera pas utile. En sortant de chez lui, alayhi salatu wassalam, il disait وَعُوذُ بِكَ أَنْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْهِ, et je cherche ta protection contre le fait de me comporter par ignorance ou que l'on se comporte avec moi par ignorance, c'est-à-dire de faire une chose mauvaise qui est le résultat de mon ignorance, ou bien que l'on fasse à mon égard une chose mauvaise qui n'est que le résultat de l'ignorance, car le mal est le résultat de l'ignorance. Et ensuite, dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit A'udhu bika min ilmin la yanfa'. Oh Allah, je cherche ton refuge contre toute science qui n'est pas utile. Et chaque matin après la prière du Fajr, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète répétait Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Oh Allah, je t'implore de m'accorder une science utile, une subsistance bonne et un acte accepté. Une science utile. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que cette science nous soit de la plus grande utilité. Ceci dit, nous allons lire les hadiths de ce chapitre, incha'Allah ta'ala. Comme vous le voyez, le premier hadith a été jugé faible par l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et ensuite, vous voyez que le deuxième hadith est jugé bon. Si ce n'est que l'imam al-Albani, rahimahullah, l'a en fait jugé faible dans son recueil de hadiths faibles, Silsilatul Ahadith al-Da'ifa. Il l'a jugé faible en raison de deux défauts se trouvant dans la chaîne de transmission. Le Cheikh Abdelrazak ibn Abdel Muhsin al-Abbad, hafidhahum Allah ta'ala, a dit « Quand vous voyez ici qu'il est marqué que ce hadith est bon, il se peut, wallahu a'lam, que ce soit une erreur. » Donc c'est peut-être une erreur dans l'impression, car dans le résumé de l'imam al-Albani, rahimahullah, on voit que le hadith est noté comme hassan, c'est-à-dire bon. Alors qu'en fait, l'imam al-Albani lui-même a détaillé dans un autre passage le caractère faible de ce hadith. Nous allons donc passer au hadith de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. An Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا ك
كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه, qui est-il? Il est meilleur de dire le servant. Parce que le serviteur, ça rentre plus dans la servitude qui est l'adoration. Wallahu a'lam. Le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant combien de temps? Pendant 10 ans. C'est la raison pour laquelle dans ce livre, on voit un très grand nombre de hadiths rapportés par cet homme, ce compagnon, radiyallahu anhu, concernant les objets personnels du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains de ses comportements et des choses que seuls les gens qui vivaient chez lui pouvaient le voir. Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit, j'ai servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Il ne m'a guère dit une seule fois, ouf, ni m'a dit d'une chose que je fis, pourquoi l'as-tu faite? Ni d'une chose que je délaissais, pourquoi l'as-tu délaissée? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de ceux qui avaient le meilleur caractère. Je n'ai guère touché de martre, ce qu'on appelle en arabe al-khaz. Al-khaz, c'est un tissu qui est fait de soie avec une autre matière, souvent la laine ou autre. Je n'ai guère touché de martre, ni de soie, ni autre chose plus douce que la main du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai guère senti de musc, le musc c'est le parfum, ni d'autre parfum plus agréable que la sueur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce hadith, nous voyons combien étaient élevés les comportements du prophète, alayhi salatu wa sallam. Parce qu'il a vécu avec un servant pendant 10 ans. Et sans le moindre doute, nous sommes des humains, nous sommes donc sujets à l'erreur. Sans le moindre doute, un servant est sujet à l'erreur. Et il est clair que pendant 10 années, il se peut que celui-ci commette une erreur. Et malgré cette possibilité qu'a ce servant à commettre des erreurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une patience tellement élevée que pendant 10 années, il n'a jamais réprimandé son servant. Alayhi salatu wassalam. Imaginez-vous une personne qui dirige une société et qui a des employés. Sans le moindre doute, ces employés vont commettre des erreurs dans leur travail. Imaginez-vous que ce directeur de cette société ne réprimande jamais. C'est une chose qui est très rare, pour ne pas dire inexistante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, avait ce comportement qui faisait qu'il n'a jamais blâmé Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Non plus, il n'a dit ouf à Anas. Et cette parole que vous entendez, ouf, est une parole composée, un mot composé de 2 lettres dans la langue arabe. Ce n'est que de l'air qui sort des lèvres, mais qui signifie que la personne se lasse ou en a marre. Quand on dit « ouf » à une personne, c'est comme si on disait à celle-ci qu'on avait marre de ses comportements, qu'on se lassait de cette personne, de la voir, de l'entendre. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 années, pendant lesquelles il n'a jamais entendu ce mot sortir de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans aucun doute, cela nous montre combien est grand son comportement sallallahu alayhi wa sallam. Ni m'a dit d'une chose que je fis, pourquoi l'as-tu faite? Ni d'une chose que je délaissais, pourquoi l'as-tu délaissée? Sans aucun doute, Anas ibn Malik radiyallahu anhu va peut-être commettre des erreurs dans le service qu'il a envers le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a jamais dit, pourquoi as-tu fait telle chose? Pourquoi as-tu délaissé telle chose? Alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de ceux qui avaient le meilleur caractère. Et donc cette parole nous résume ce qu'on vient d'entendre. Quelle est la raison qui a poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ne pas réprimander son servant, à ne pas le blâmer, à ne pas élever la voix, à ne pas prononcer ouf?
tout simplement parce qu'il était celui qui avait le meilleur des comportements, sans le moindre doute, de cette communauté. Alayhi salatu wassalam. Ensuite, ce qui vient après est plutôt en relation avec le physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque Anas dit: je n'ai guère touché de martre, ni de soie, ni autre chose plus douce que la main du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et vous vous souvenez que d'ailleurs on a cité ce passage de ce hadith dans les premiers chapitres dans lesquels on a vu la description des mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu que ses mains étaient des mains fortes, alayhi salatu wa sallam, et que le mot employé en arabe c'était al-ghilza. Al-ghilza à la base est un mot qui désigne la dureté avec le fait que la chose soit rêche, c'est-à-dire sèche et dure. Mais quand on parle de ghilza dans la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parle du fait que sa main est forte, mais en aucun cas sa main n'est rêche. Vous savez, comme la main du maçon par exemple. La main du prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus douce que la soie, qui est un des tissus les plus doux, comme vous le savez. Je n'ai guère senti de musc ni d'autres parfums plus agréables que la sueur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam transpirait, c'était une bonne odeur qui ressortait de lui, alayhi salatu wa sallam. Et quand il mourut, Abu Bakr radiallahu anhu vint à lui le voir. Elle est venue voir son cadavre et a dit: Tibta hayyan wa mayyita. Tu es bon, vivant et mort. C'est-à-dire que tu as une belle apparence, une bonne odeur. Que tu sois vivant et même après ta vie, c'est-à-dire ta mort. Alayhi salatu wassalam. Hadith suivant, le hadith de Aisha. عائشة رضي الله عنها نودي قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزئ بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. عائشة رضي الله عنها نودي que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était ni grossier de caractère, ni se rendait grossier. Ce qu'on appelle en arabe « fahish », qui vient du substantif « fouhsh », qui vient du mot « fouhsh ». « Al-fouhsh », ou bien l'individu qu'on désigne comme étant « fahish », est celui qui est en général grossier dans ses paroles. Grossier dans ses paroles, qui a des mauvaises paroles, qui n'emploie pas les meilleures paroles quand il s'adresse à quelqu'un, qui élève la voix, qui manque de respect et qui prononce des paroles indésirables à écouter. C'est ce qu'on appelle al-fuhsh fil kalam ou fil qawl. Et al-mutafahish, c'est celui qui se fait grossier. Donc on a al-fahish qui est grossier de nature et on a al-mutafahish qui se force à être grossier et qui s'impose en lui ce mauvais comportement qui est la grossièreté dans les paroles. Mais de manière plus globale, al-fuhsh, c'est une chose qui peut avoir aussi lieu dans les comportements. Et c'est pourquoi al-fahisha, hein, ce qu'on appelle la fornication, on peut l'appeler comme étant al-fahisha également. Donc, à la base, ce sont les mauvaises paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était ni grossier de caractère, ni se rendait grossier, et n'était point crieur dans les... ce qui est voulu par aswaq, ce sont les marchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas quelqu'un qui élevait la voix ou qui criait. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a enseigné dans surat Luqman. Quand Luqman, cet homme pieux, dit à son fils, il dit à son fils: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. Sois de juste milieu dans ta démarche. Ne marche pas comme le fait l'orgueilleux, le vaniteux. Et aussi,
baisse d'un ton ta voix, car la voix la plus détestable est bien celle de l'âne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas de son serviteur qu'il crie sans aucune raison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas quelqu'un de crieur dans les marchés. Que dire donc alors de ceux qui crient dans les mosquées? Et c'est une chose que l'on entend, c'est une chose que l'on voit et à laquelle on assiste. Combien sont ceux qui élèvent leur voix dans les mosquées? Alors que dans les marchés, à la base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait pas. Il ne rendait pas la mauvaise action par une mauvaise. La yajzi'u bis-sayyi'a, c'est-à-dire quand quelqu'un avait un mauvais comportement avec lui, quand quelqu'un le provoquait, quand quelqu'un le perturbait, quand quelqu'un tout simplement était mauvais avec lui de par son caractère ou de par ses paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne répondait pas à cette personne par le même comportement que celle-ci a eu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sourate Ash-Shura, la consultation, nous cite les trois différents degrés de comportement que l'individu a face à celui qui a un mauvais comportement avec lui. Et le meilleur de ces trois comportements, c'est celui qu'a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla a dit « وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا » Ce qui veut dire « Et la réponse à une mauvaise action sera la même. » C'est-à-dire que quelqu'un qui inflige un coup à une autre, cet autre a le droit de lui rendre ce même coup et a le droit de demander à ce que ce même coup lui soit infligé, car cela fait partie de la justice, sans dépasser les limites. Deuxièmement, donc Allah dit wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Deuxièmement, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Quant à celui qui efface et réforme, sa récompense incombe à Allah. Ça, c'est le deuxième degré. Deuxième degré, c'est celui d'effacer, de ne pas répondre, de ne pas rendre ce qu'on nous a donné, ce qu'on nous a fait. C'est la meilleure chose chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième degré, c'est celui qui est interdit, c'est le degré de l'injustice. Allah azza wa jalla dit tout de suite après, « Innahu la yuhibbu dhalimin » Certes, Allah n'aime pas les injustes. Donc face à l'individu qui se comporterait mal avec le croyant, il y a trois différents comportements que celui-ci en général a. Le premier, c'est de rendre l'égal. Le deuxième, c'est d'effacer et d'ignorer et de réformer, de pardonner. Le troisième, c'est de répondre par l'injustice, et cela est une interdiction chez Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on venait faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne répondait pas par la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam effaçait les péchés ou il effaçait les fautes commises à son égard. C'est pourquoi il dit tout de suite après, mais pardonnait et effaçait. Et c'est le meilleur comportement à avoir. Et sans aucun doute, seul quelqu'un qui est fort dans sa foi peut avoir ce comportement. Seul quelqu'un qui a une conviction forte en la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a un cœur attaché à Allah tabaraka wa ta'ala peut avoir ce comportement. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous l'accorder. Et l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a d'ailleurs écrit à ce sujet qui nous montre comment patienter devant la personne qui nous fait du mal. Et dans cet écrit, il cite 20 points. 20 points, on ne va pas les citer, mais il nous cite 20 points qui nous aident à patienter quand une personne nous cause du tort ou nous fait un mal. Et parmi ces 20 points, à titre d'exemple, il cite le fait que, en fait, c'est une occasion de se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, puisque Allah nous demande d'être patient. Donc, cette patience ne peut avoir lieu que s'il y a une chose qui t'appelle à patienter. Et dans ça, on voit la perfection d'Allah, Azza wa Jal. Car des fois, tu vois une personne venir te faire un mal et tu te demandes pourquoi.
La réponse, pour celui qui est doué de raison, parce qu'Allah Azza wa Jalla veut que tu patientes, car la patience est une adoration récompensée largement, qui ne peut avoir lieu que si justement cette cause arrive. Aussi, il dit que c'est une expiation des fautes. C'est une cause pour se faire pardonner les péchés. Donc en fait, la personne qui va voir quelqu'un lui causer du tort, va regarder ce tort avec l'œil différent de celui qu'elle avait auparavant. Elle va se dire, c'est une cause pour me rapprocher d'Allah. Donc en fait, c'est une ni'ma, c'est un bienfait. Et toutes ces choses-là vont l'aider à se rapprocher d'Allah. Mais aussi le fait d'évoquer Allah abondamment, le fait d'occuper son temps dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Par contre, la personne qui a le cœur attaché à cette dunya, pour la moindre parole proférée à son encontre, pour le moindre comportement qu'a une personne à son encontre, tu verras cette même personne dépasser toutes les limites. Pourquoi ? Parce que le cœur est accroché à ce bas monde. Et le bas monde ne va jamais te protéger, le bas monde ne va jamais t'éduquer, le bas monde ne va jamais te guider. Ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut le faire. Hadith suivant. عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما ولا امرأة. عائشة رضي الله عنها نجي l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم n'a jamais rien frappé de sa main, n'a jamais rien frappé de sa main, sauf lorsqu'il était au combat dans la voie d'Allah. Il n'a jamais frappé un servant ou une femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était des serviteurs d'Allah, celui qui avait les plus nobles caractères, à un point où sa main n'a jamais frappé, sauf dans un cas, dans un seul cas, dans le cas où il était dans une situation de combat contre les ennemis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, sa main frappe. Mais dans un autre moment que celui-ci, il ne levait sa main sur personne, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais levé sa main sur un servant. Il n'a jamais levé sa main sur une épouse. Que dire alors de toutes ces personnes ? Que dire alors de tous ces frères, de tous ces hommes qui non seulement lèvent la main sur leurs épouses, mais vont plus loin que ça en les battant. Puis quand ils sortent de chez eux et qu'ils se retrouvent dans les mosquées, ils ont une bonne apparence. Ils sont pieux, ils ont le visage rayonnant. On a l'impression d'eux qu'ils sont proches d'Allah. On a l'impression d'eux qu'ils sont assidus et qu'ils ont les meilleurs comportements. Ils sont gentils avec l'ensemble des gens, mais quand ils rentrent chez eux, ils deviennent mauvais, ils deviennent grossiers, ils dépassent les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala dans le comportement qu'ils doivent avoir avec leurs épouses. Ils les frappent, ils les battent, ils les rabaissent par leurs paroles, ils leur manquent de respect. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Khayrukum, khayrukum li ahli, wa ana khayrukum li ahli ». Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec ses épouses ou avec son épouse. Et je suis le meilleur avec mes épouses. Alayhi salatu wassalam. Il n'a jamais frappé ses épouses. Alayhi salatu wassalam. Et c'est lui qui doit être suivi. Et un jour, des épouses sont venues se plaindre au prophète sallallahu alayhi wassalam pour leur dire que les hommes ou leurs époux les frappent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La qattafa bi ali muhammadun nisa'un kathir yashkuna azwajahun laysu bi khiyarihim » Beaucoup de femmes sont venues voir la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre de leurs époux qui les frappent. Ces hommes-là ne sont pas les meilleurs de cette communauté. Ces hommes-là ne sont pas les meilleurs de cette communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais frappé ni un servant ni une femme, alors que le servant
peut avoir des torts, peut avoir des manquements, tout comme la femme. Et aussi l'homme peut avoir des manquements. Mais l'homme qui est celui qui a l'autorité dans sa famille ne doit pas dépasser les limites fixées par Allah. Subhanahu wa ta'ala. Avoir l'autorité ne veut pas dire être injuste, ne veut pas dire dépasser les limites. Et par là, désobéir à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Le hadith suivant, toujours rapporté par Aisha radiyallahu anha. D'ailleurs, avant d'entrer dans le hadith suivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais rien frappé lorsqu'il faisait le combat dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on pourrait même ajouter à cela qu'il n'a tué qu'une seule personne sallallahu alayhi wa sallam. Et cette personne a été tuée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la bataille de Al-Ahzab, la bataille des coalisés, quand les ennemis d'Allah Azza wa Jal se sont unis pour venir attaquer les musulmans qui se trouvaient à Médine. Il y avait parmi eux un homme qui disait tout le temps au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais te tuer un jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondait avec le sourire, c'est moi qui te tuera. Et ce jour-là, le jour de la bataille des coalisés, cet homme s'est approché du prophète alayhi salatu wa sallam. Les compagnons ont voulu le protéger. Le prophète alayhi salatu wa sallam leur a dit, laissez-le. Cet homme s'est rapproché, le prophète a sorti son épée et lui a fait une entaille au niveau de l'épaule. Il lui a mis un léger coup d'épée au niveau de l'épaule et il l'a laissé. Il s'est écroulé au sol et il s'est mis à pousser des cris. Il a hurlé. Allah Azza wa Jal lui a mis une douleur plus que la douleur que doit faire cette blessure. Et il en est mort. Et donc c'est le seul homme qui a été tué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où sont donc ceux qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, ne passait son temps qu'à tuer des gens? Le hadith suivant, عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله شيء فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. Aïcha radiyallahu anha nous dit, je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam essayer d'avoir gain de cause pour ce qui est d'une injustice le touchant, tant que les interdits d'Allah n'étaient en rien violés. Mais si on portait atteinte à ceci, il se montrait le plus irrité vis-à-vis de cela. Il ne lui a point été donné de choisir entre deux choses qu'il n'ait choisi la plus facile, tant que celle-ci n'était point un péché. Ici, nous allons voir un des meilleurs comportements qui nous ont été enseignés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais essayé d'avoir gain de cause. Il n'a jamais, quand quelqu'un lui a commis une injustice, essayer d'avoir gain de cause et de secourir sa personne. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient te faire du mal, ou quand quelqu'un vient faire du mal aux musulmans, très souvent, on voit ce même musulman essayer d'avoir gain de cause. Et on le voit essayer de secourir sa personne, sa renommée, son nom, son honneur et toutes ces choses-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam regardait les nuisances qui lui étaient faites. Si ces nuisances touchaient à sa personne, il n'en avait que faire. Car quoi que te fassent les gens, ils ne pourront en aucun cas rabaisser la valeur que tu as chez Allah. Et c'était la seule chose qui était importante au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, si cette nuisance qui était faite avait un lien avec la religion d'Allah, si celle-ci était un interdit d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui était commis à ce moment-là, on voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant la personne qui se mettait le plus en colère.
Donc on voyait la force d'âme qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, on voit des gens qui voient des innovations, à titre d'exemple, ou des péchés dans la religion se commettre et qui n'en tiennent pas rigueur à ceux qui les commettent. Par contre, on voit ces mêmes personnes, quand leur nom est cité, ou quand elles sont touchées, ou quand on porte atteinte à leur renommée, on les voit les plus énervés. On les voit les plus énervés. Et ça, si cela nous indique une chose, elle ne fait que nous indiquer le manque d'ikhlas, le manque de sincérité et de véracité dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On voit une personne insulter Allah, une autre personne qui assiste à ce blasphème ne tient pas rigueur à la personne qui a insulté Allah. Et quand cette même personne qui insulte, insulte quelqu'un de la famille de cette personne qui a assisté au premier blasphème, qu'est-ce qu'on voit? On la voit dépasser toutes les limites et ne pas supporter qu'on insulte quelqu'un de sa famille. Cela nous montre le manque de iman, le manque de foi en Allah. Le prophète, lui, sallallahu alayhi wa sallam, s'il était insulté pour sa propre personne, ne répondait pas, il n'en avait que faire. Car il savait que même si on proférait à son encontre 1000, 2000 et encore plus d'insultes, en aucun cas son statut chez Allah ne serait rabaissé. Et c'est la seule chose qui est importante pour le croyant, fort dans sa foi. Par contre, si on insulte la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant celui qui était le plus en colère. Et ce comportement doit être présent à plus forte raison chez le prêcheur, chez celui qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Si on porte atteinte à sa personne, il doit ne pas porter attention. Car c'est Allah azzawajal qui élève et rabaisse ses serviteurs. Par contre, si on porte atteinte à la sunnah, alors il doit donner de son temps pour défendre la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la purifier de toute innovation. Tant que les interdits d'Allah n'étaient pas commis. Qu'est-ce qu'il se passe quand les interdits d'Allah sont commis? Elle nous dit, mais si on portait atteinte à ceci, il se montrait le plus irrité vis-à-vis de cela. On voyait de la colère sur son visage. À un point, il a même dit à Fatima, sa fille, radiyallahu anha, « Oh Fatima, si tu voles, je te coupe la main. Si tu voles, je te coupe la main. » Et on a d'ailleurs vu les compagnons qui, lors du combat, ont combattu les gens de leur famille, leurs proches. Parmi ceux-ci, on a vu que Abu Ubaïda, radiyallahu anha, qui était opposé à son père dans le combat, l'a exécuté. On a vu que Mus'ab ibn Umair a tué son frère. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu a tué le frère de sa mère. On n'est pas en train d'inciter les gens à le faire, bien sûr. On est en train de montrer la foi que ces gens avaient. On est en train de montrer le degré de la foi de ces gens que l'on doit respecter et aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne lui a point été donné de choisir entre deux choses, qu'il n'ait choisi la plus facile. À chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le choix entre deux choses, il prenait la plus facile, tant que cette chose n'était pas un péché. Si elle était un péché, alors il délaissait le péché et il prenait l'autre chose qui était permise, même si en apparence elle était plus difficile que la chose plus facile mais qui était un péché. Wadih ? Donc voici les règles de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand deux choses nous sont proposées, si ces deux choses nous sont licites, il n'y a pas de mal à choisir la chose la plus simple. Et d'ailleurs, on voit que beaucoup de gens se blâment dans des questions où ils n'ont pas à le faire. Par exemple, tu as le choix entre deux vêtements, tu as le choix entre deux voitures, une qui a la climatisation et une autre qui ne l'a pas, un vêtement qui a un certain prix et un vêtement qui a un prix plus faible. Si tu as les moyens et que tu ne dépasses pas les limites, tu ne fais pas d'excès, personne ne peut te blâmer pour le choix que tu fais si le choix que tu fais
est licite. Donc dans ces domaines-là, il ne faut pas se blâmer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisissait la chose la plus facile. Et c'est ce que doit avoir le comportement comme le croyant comme comportement. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith authentique, « Inna hadha dina yusr, walan yushad hadha dina ahadun illa ghalaba. » Cette religion est une facilité. Et à chaque fois que quelqu'un cherche à être plus dur que cette religion, elle le vaincra. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette religion est une facilité. Quand on dit que c'est une facilité, on ne veut en aucun cas dire par là que, en prenant ce prétexte, on a le droit de délaisser les obligations ou de faire des concessions dans des choses obligatoires ou de commettre des innovations ou ne pas blâmer des innovations ou des péchés devant la famille ou les proches, car cette religion est une religion de facilité. Ça n'a rien à voir avec ça, et ces paroles-là qui sont propagées par les innovateurs et ceux qui les suivent n'ont rien à voir avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette religion est une facilité. Tout ce qu'Allah a légiféré est une facilité. La sunna est une facilité. Le Coran à appliquer est une facilité. D'ailleurs, Allah a dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Et certes, nous avons rendu le Coran facile pour le rappel. Y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Donc, obéir à Allah Azza wa Jal est une chose qui est facile. Mais al-shaytan est celui qui essaie de te faire croire que cela est difficile pour que tu suives tes passions et désobéisses à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, quand quelqu'un cherche à être plus dur que cette religion, elle le vaincra. Et cela apparaît chez les gens qui dépassent les limites et qui commettent des excès dans la religion d'Allah Azza wa Jal, sous prétexte qu'ils veulent s'attacher aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui blâment les croyants et les croyantes qui font des choses qui sont licites. On ne parle pas de ce qui est illicite. Ils blâment leurs frères et leurs sœurs pour des choses qui sont permises dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se montrent durs en pensant que c'est cela le suivi de la sunna. Qu'est-ce qu'on voit? On voit cette même personne vaincue par la religion. C'est-à-dire, puisqu'elle a voulu être plus dure que ce que la religion demande, elle s'impose une gêne, une contrainte qu'elle ne pourra pas supporter plus tard. Alors qu'est-ce qu'il se passe? L'effet inverse. Elle commence à régresser dans son cheminement religieux. Elle commence à s'abaisser et on la voit commettre des choses qui sont pires, plus graves que ce qu'elle blâmait avec dureté auparavant. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas suivi le bon chemin. Et le bon chemin, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne blâmait pas les gens qui faisaient des choses licites. Il ne faut donc pas blâmer quelqu'un qui commet une chose licite. Hadith suivant. C'est toujours Aïcha radiallahu anha qui le rapporte. عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة ثم أذن له فلما دخل ألان له القول فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. Aïcha radiallahu anha nous dit, un homme demanda à entrer auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que je me trouvais chez lui. Aïcha était en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand un homme arriva et cet homme a voulu rentrer chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour parler avec lui, pour lui demander quelque chose, wallahu a'lam. Il dit alors, c'est-à-dire le prophète a dit, il dit cette parole avant que cet homme n'entre. Qu'est-ce qu'il dit? Quel mauvais fils ou quel mauvais frère pour les siens. C'est-à-dire quel mauvais personnage que cet homme-là, avant que cet homme n'entre. Ensuite, suite à quoi, il autorisa à entrer et il lui tint des propos bienveillants. Juste avant que cet homme n'entre,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quel mauvais frère que celui-ci pour les siens. C'est-à-dire quel mauvais personnage, quel personnage ou mauvais comportement que cette personne. Et ensuite, quand cette personne est entrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu des bons propos avec cette même personne. Aïcha radiallahu anha s'est étonnée. Elle dit: ô messager d'Allah, tu as dit ce que tu as dit sur cet homme, puis tu lui as tenu des propos bienveillants. Donc elle veut savoir, elle veut comprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: ô Aïcha, la personne la plus néfaste est celle que les gens évitent ou dont ils s'écartent de crainte de sa grossièreté. Donc, à travers cette fin de hadith, on voit que cet homme était un homme grossier, un homme au mauvais comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dans sa sunna un bon comportement, plus particulièrement avec ceux qui étaient mauvais dans leur comportement, pour plusieurs raisons. Premièrement, pour adoucir leur cœur, car il y a des gens qui sont durs dans leur cœur, dans leur comportement. Il y a des gens qui sont braqués sur eux-mêmes, qui sont refermés et qui ne veulent pas accepter an-nasiha, le conseil. Ils sont braqués. Et souvent, cela a lieu chez une certaine catégorie ou chez une certaine génération des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le meilleur comportement à avoir envers ces gens-là, c'est le bon comportement. Ce n'est pas de s'énerver. Car cette personne qui, de son naturel, est comme ça, elle se met en colère pour la moindre chose, pour une chose qui est futile, exactement le mot que je cherchais, une chose qui est futile. Si pour une chose futile elle se met en colère, que dire alors si toi tu lui parles mal, si tu élèves ta voix, si tu te mets en colère, tu n'arriveras pas à un but louable. Au contraire, tu arriveras à une fin blâmable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit ce personnage entrer chez lui. Il demande à entrer chez le prophète alayhi salatu wa sallam. Le prophète informe les gens que cet homme a un mauvais comportement en disant: quel mauvais frère que celui-ci pour les siens, ou quel mauvais fils que celui-ci pour les siens. Quel mauvais frère, c'est la version qui est rapportée chez Al-Bukhari rahimahullah. Et quand il entre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir un bon comportement envers lui. Pourquoi? Pour que celui-ci s'abstienne de son mal. Et certains savants ont dit que parce que cet homme-là était le chef d'une tribu. Il était le chef d'une tribu. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un bon comportement envers lui afin que celui-ci ne se retourne pas contre sa tribu. Car il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui, quand on se met en colère contre eux, ils répondent sur leurs enfants, sur leur famille. Ils dépassent les limites sur des autres personnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donc ce bon comportement. Également, ce hadith fait partie des preuves de ce qu'on appelle al-jarh, c'est-à-dire la critique. De critiquer quelqu'un qui mérite réellement cette critique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a critiqué cette personne. Il ne l'a fait que parce que celle-ci l'a mérité. Il n'a pas dépassé la limite dans cette critique qu'il a eue. Il a dit: quel mauvais frère que celui-ci pour les siens. Si à travers cela il y a une utilité. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui innove dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les musulmans doivent être au courant des innovateurs, de qui sont les innovateurs, afin de se protéger de leur innovation, de se protéger de leur mal. Que dis-tu d'une personne qui consomme l'alcool? Que dis-tu d'une personne qui consomme la drogue? Vas-tu laisser ton enfant la fréquenter? La réponse est non, sans aucun doute. Pourquoi? Car elle va nuire à ton enfant. Que dis-tu alors d'une personne qui nuit à la religion, en innovant dans la religion d'Allah? Vas-tu laisser ton enfant fréquenter une telle personne? La réponse doit être non, à plus forte raison. Donc, ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: oh Aïcha, la personne la plus néfaste est celle que les gens évitent et dont ils s'écartent de crainte de sa grossièreté.
Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adouci ses propos envers cet homme pour éviter sa grossièreté. Et il nous montre aussi qu'on doit choisir les fréquentations et qu'on ne doit pas fréquenter les gens qui sont grossiers. Et il nous montre aussi que ces gens-là sont blâmés dans la religion d'Allah, car ils sont les personnes les plus néfastes, celles que les gens doivent le plus éviter. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, le hadith qui est cité, c'est le hadith de Al-Hassan ibn Ali. Un hadith qui est long et qui est cité dans plusieurs passages de ce livre. Et dans le début de ce livre, on avait cité qu'il était faible, qu'il avait été en tout cas jugé faible par l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala, et qu'il a été cité à plusieurs passages de ce livre parce qu'il est long et dans chaque passage de ce livre, il y a une partie qui correspondra à chacun de ces chapitres où il va être cité. Mais l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala, l'a jugé faible, comme on l'a cité plus tôt. Le hadith suivant, rapporté par Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhuma, يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhuma, dit: on n'a guère demandé quelque chose à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, où il a répondu par non. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelque chose était demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne répondait jamais non. À condition, bien sûr, que cette chose était dans sa possession. Dans le cas où il ne possédait pas ce qu'on lui demande, il ne disait pas non. Il disait: reviens plus tard quand je l'aurai. Alayhi salatu wa salam. Alors qu'il pouvait, il pourrait dire non, mais son comportement est tellement haut, alayhi salatu wa salam, que quand il avait ce qu'on lui demandait, il donnait sans jamais dire non, et quand il n'avait pas, il disait: reviens plus tard quand je l'aurai, alayhi salatu wa salam. Ou bien il envoyait vers ceux qui avaient cette chose qui était réclamée, sallallahu alayhi wa salam. Et ici, on nous parle des choses de ce bas monde, que ce soit la nourriture, les vêtements, sadaqat, des aumônes et d'autres choses encore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne refusait jamais. Soit il donnait, soit il disait reviens après, soit il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala pour cette personne. Il faisait une dua pour cette personne, sallallahu alayhi wa sallam. An Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qala kana Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ajwada an-nasi bil khayr, wa kana ajwada ma yakunu fi shahri Ramadan hatta yansalikh, fayatihi Jibril, fayaridu alayhi al-Qur'an, fa'idha laqiyahu Jibril, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كان أجود بالخير من الريح المرسلة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما dit: le prophète صلى الله عليه وسلم était le plus généreux en bienfaits, ce qu'on appelle الخير. Le prophète صلى الله عليه وسلم, sans aucun doute, était l'individu le plus généreux, celui qui partageait le plus, celui qui donnait le plus. Et d'ailleurs, on a vu dans les hadiths précédents que le prophète, un jour, alayhi salatu wassalam, était affamé. Il avait faim, alayhi salatu wassalam. Quand on lui apporta une grappe de dattes fraîches, souvenez-vous, qu'est-ce qu'il a fait, alayhi salatu wassalam? Il est parti en donner à tous ses compagnons, sallallahu alayhi wassalam. Et seulement après avoir servi tous ses compagnons, il en a mangé. Et quand il en a mangé, il était agenouillé au sol, tellement il était affamé, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, de manière globale, tout le temps, toute l'année, il était, sallallahu alayhi wa sallam, le plus généreux de sa communauté. C'est durant le mois de Ramadan jusqu'à son terme qu'il l'était
le plus. Quand Ramadan arrivait, il était encore plus généreux, sallallahu alayhi wa sallam. L'ange Jibril venait alors le trouver et lui faisait réviser le Coran. Chaque Ramadan, Jibril venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et écoutait la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam entière du Coran. Et le Ramadan dernier, avant sa mort, il lui a fait réviser et réciter deux fois le Coran alayhi salatu wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus généreux que le vent bénéfique. Donc quand Jibril venait pour lui faire réviser le Coran, il était encore plus généreux. À un point où il était plus généreux que le vent bénéfique. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, la vraie traduction, ce serait plutôt de dire le vent envoyé. Allah subhanahu wa ta'ala envoie les vents. Allah dit dans le Coran, Allahu alladhi yursilu ar-riyah. Allah est celui qui envoie les vents. Fatuthiru sahaba. Fayabsutuhu fi as-sama'i kayfa yasha. Ces vents poussent des nuages qui sont étalés dans le ciel comme Allah le veut. Fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi. Et voilà la pluie que tu vois descendre de ces nuages. Fa idha asaba bihi man yasha'u min 'ibadihi. Et lorsque tu vois ses serviteurs touchés par cette pluie, tu les vois totalement réjouis. Donc Allah Azza wa Jal envoie les vents. Ces vents peuvent être envoyés soit pour amener un bien, la pluie. L'eau est la base de la vie, donc ce vent a été envoyé pour un bien. Et donc ce vent peut être décrit comme un vent qui apporte le bien par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou bien un vent qui arrive pour détruire, pour châtier un peuple, comme Allah azza wa jal a détruit nombreux peuples par des vents violents. Ici, on nous parle du vent qui est envoyé pour le bien, le vent qui est envoyé afin de pousser les nuages qui vont faire tomber la pluie, de laquelle va résulter la poussée de la nourriture bénéfique pour les serviteurs d'Allah Azza wa Jal sur toute la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant Ramadan était plus généreux, avait plus de bien que n'a ce vent qui est envoyé pour le bien. Voilà ce que veut dire ce hadith. Et donc on voit le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout au long de l'année, mais particulièrement pendant ce mois qui est celui de Ramadan sallallahu عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. أنس بن مالك رضي الله عنه nous dit le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم ne mettait rien en réserve pour le lendemain. Le prophète صلى الله عليه وسلم recevait des dons, ou le butin. Il réunissait le butin. Et de tout cela, il ne gardait rien, il ne réservait rien pour le lendemain. Pourquoi ? Il le distribuait. Il le distribuait à ses compagnons, il le distribuait aux pauvres, il le donnait à ceux qui étaient dans le besoin. Mais par contre, dans d'autres hadiths, on voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parfois réservait des choses pour le lendemain. Il n'y a pas de contradiction. Car ce qui est voulu, c'est qu'il réservait les choses indispensables pour le lendemain, pour lui et pour sa famille, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne va pas laisser sa famille mourir de faim, sallallahu alayhi wa sallam. Mais en dehors de l'indispensable, il ne réservait rien pour le lendemain. Il le distribuait, il le partageait, sallallahu alayhi wa sallam, de tout ce qu'il recevait. Et cela nous montre la générosité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Albani rahimahullah dit dans son annotation: wa hadha minhu sallallahu alayhi wa sallam li kamali tawakkulihi ala rabbih. Et ce comportement venant de lui sallallahu alayhi wa sallam nous montre la perfection de sa confiance qu'il plaçait en Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Il n'avait pas peur de cette dunya.
Il n'avait pas peur, sallallahu alayhi wa sallam, de perdre sa part de cette dunya, car il est celui qui a dit « Inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa tastawfiya ajalaha » Il m'a été légiféré, il m'a été révélé qu'aucune âme ne mourra avant de prendre la totalité de sa subsistance. Aucune âme ne mourra avant que son terme n'arrive. فَاتَّقُوا اللَّهُ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُطْلَبُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِمَا أَمَرْ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Il dit, craignez donc Allah et recherchez votre subsistance de façon licite, car on ne recherche ce qui est auprès d'Allah que de façon licite. عليه الصلاة والسلام. Pour cette raison, il gardait l'indispensable et partageait le reste, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans d'autres hadiths, on voit qu'il dépensait comme celui qui ne craignait pas le lendemain, sallallahu alayhi wa sallam. Et au jour d'aujourd'hui, une personne a 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, et elle en veut plus. Elle en veut plus. Elle les stocke dans son compte, compte avec du riba peut-être, avec de l'intérêt, pour en avoir encore plus. Et peut-être que pour en avoir encore plus, elle ne paye pas l'aumône légale, la zakat. Cette personne n'aura aucune baraka dans sa vie, ni dans son argent, ni dans ce qu'elle entreprendra, car elle n'a pas suivi l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cette même personne prétend aimer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui ne réservait rien pour le lendemain de ce qui était licite et permis par Allah, subhanahu wa ta'ala, en dehors de l'indispensable. عليه الصلاة والسلام. الإمام الألباني رحمه الله poursuit dit: وقد يدخر لعياله قوت سنتهم لضعف توكلهم بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم وليكون سنة للمعيلين من أمته. Et parfois le prophète صلى الله عليه وسلم réservait ce dont avait besoin les siens, ce dont avaient besoin les siens, alayhi salatu wasalam, en raison de leur manque dans le tawakkul, dans leur confiance, comparé à celui du prophète, à la confiance du prophète sallallahu alayhi wasalam en Allah, et aussi pour montrer à ceux qui ont l'autorité dans une famille qu'ils peuvent garder pour leur famille. Et il est rapporté dans les deux recueils authentiques de Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam réservait ce dont avaient besoin les siens pour une année. Alayhi salatu wa sallam. An Aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yaqbalu al-hadiyya wa yuthibu 'alayha. Et ceci est le dernier hadith, celui de Aisha radiyallahu anha, dans lequel elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait les cadeaux et les rétribuait. Quand on nous offre une chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre qu'il acceptait les cadeaux. Il n'avait pas le droit d'accepter les sadaqat, les aumônes. Par contre, il acceptait les cadeaux sallallahu alayhi wa sallam. Il a d'ailleurs dit: Tahadu, tahabun. Offrez-vous des cadeaux, vous aimerez. Offrez-vous des cadeaux et vous aimerez. Donc, c'est une bonne chose d'offrir des cadeaux. Tout comme c'est une bonne chose d'accepter les cadeaux qui nous sont offerts. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait les cadeaux qui lui étaient offerts. Et même, il les rétribuait. Quand on lui offrait quelque chose, il offrait quelque chose à cette même personne selon ce qui était en sa possession, sallallahu alayhi wa sallam. Et avec ce hadith, nous avons conclu le chapitre concernant le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder parmi les comportements les meilleurs et les plus élevés, et de faire de cette science une science utile pour nous, et qu'on la mette en pratique. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.